Bismillah, salam alaikum, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un gâteau de salade de pommes de terre que j'ai déjà cuit. Donc, je vais enlever la peau, comme vous voyez. Ils sont déjà cuits, il faut les cuire à l'eau. Donc, maintenant, je vais les éplucher. On gagne du temps et la vidéo n'est pas trop grande. À part ça, ça va, on discute un petit peu en attendant, ça va bien, tranquille, la famille, ça va bien. Donc j'espère que vous allez commencer la nouvelle année parfaite et bonne santé. Donc voilà. On avance tout doucement. Bien sûr, si vous n'arrivez pas à couper avec la main, je veux dire couper sur la planche parce que voilà. Alors ensuite, j'ai un oignon que je vais couper. Alors les oignons, je les ai coupés en petits morceaux parce que j'aime pas quand ça croque. Perso, c'est... Alors là, c'est le poivron. Poivron vert et rouge. Ensuite, je vais mettre des petits radis. Je vais les couper aussi en quatre. J'enlève juste, juste les petits trucs là, comme ça. En quatre. Ouais, je vais aussi les. Ah, quand même. Il faut que je les coupe en 6. 6, comme ça. Que ce soit comme les pommes de terre en fait, comme ça, comme ça. Après tout dépend de si c'est pas trop gros, c'est vraiment voilà. Et des petites Alors ensuite là je vais faire la sauce, j'ai un pot de mayonnaise hein, que j'ai ensuite là je vais mettre un petit verre de lait. Je sais pas comment on appelle ça, je sais pas comment on appelle ça, c'est les concombres. Voilà, j'ai pas de vinaigre, je vais utiliser le citron. Je vais utiliser juste la moitié pour l'instant. Juste pour le temps de voir. Sel. Bah, de toute façon, vous salez à votre convenance. Hein, c'est... Je vais juste mettre une petite cuillère. C'est vraiment les toutes petites. Hein. C'est les toutes petites cuillères là. Je fais juste la moitié. Voilà, ça suffit. Vous voyez, c'est vraiment les toutes petites cuillères. En plus, elle est tordue celle-là. Voilà, c'est bien citronné. De toute façon, on en a besoin avec le truc. Moi, j'aime bien quand c'est bien citronné. Donc voilà. Je vais mettre un peu pour. Qu'on sorte dans le jardin, faire du jardinage. Je vais rajouter. C'est vraiment un grand saladier. Oui, dans mon avis, il doit y avoir une vingtaine de pommes de terre, je pense, hein, je suis pas sûr. Alors j'ai pris mon cercle parce que comme c'est là ça, on va pas on pourra pas le déplacer, donc il faudra prendre un plat où le gâteau va rester. Donc moi j'ai pris ça, ça rentre dans le frigo, donc c'est top. J'ai la moitié d'un concombre, je vais voir si ça va me suffire pour la déco. Donc je vais faire juste des petits rangs comme ça, hop. Hop,
juste 4 comme ça. Et comme ça. Et comme ça. On va couper des petits trucs comme ça. Alors mes rondelles de concombre, je les ai mis autour. Si vous voyez que ça reste pas, vous pouvez mettre un petit peu de, je sais pas, quelque chose pour coller, mais je pense pas qu'il y aura de problème. Alors, comme ça. Voilà. Ensuite, maintenant, je vais mettre la salade. Tout doucement, comme ça. Je mets d'abord un peu pour tasser le tout. Comme ça. Pour que les concombres puissent rester tranquilles. Alors, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais éplucher. Je vais éplucher. Je vais éplucher, on va dire, 3 œufs pour l'instant. Les œufs. Ensuite, je vais les gratter. Je vais gratter les œufs comme ça. Alors, on étale tout ce bon monde comme ça. Ensuite, là, j'ai du salami que je vais mettre autour comme ça. Là, je vais remettre tout le reste par-dessus. C'est tout ça comme ça. Oh, c'est bien, hein? Alors, pour la déco, j'ai mis les petites tranches de concombre. Bon, genre comme ça, je vais couper mes petites tomates en deux comme ça. Comme ça. Hop. C'est les olives noires. Ah, vous faites là de quoi vous voulez. Hein. Alors, j'ai pris des cornichons que j'ai coupé comme ça. Hop. Et puis j'ai fait des petites lamelles comme ça. Fais attention à ne pas se couper. Ça. Les petites. Il va pleuvoir du persil. J'ai déjà mis quelques œufs. J'ai coupé un œuf en fait avec un couteau bien aiguisé. L'œuf en 4 sont cassés. Allez, je prends ceux qui sont déjà bien et je termine. Je termine le truc. Qu'ils soient bien tous du même côté. Alors là, je le mets au frigo, au frais. Hein. Et après, on se retrouve après pour la présentation.